Я родилась в России, в Сибири. И начала заниматься борьбой в 6 лет. Никто в моей семье не занимался борьбой. В 10 лет я выиграла первенство России среди девушек взрослее меня. И в этот момент я поняла то, что я могу быть чемпионкой. Когда мне было 12 лет, я была на сборах в летнем лагере. За мной приехали родители, потом мы собрали вещи и уехали из страны. Меня звали Таня Бедянова. Désormais, je m'appelle Tatiana Debien. J'ai intégré l'INSEP à l'âge de 18 ans, quand j'étais en équipe de France junior. Le rythme de vie était beaucoup plus intense. J'ai été vice-championne d'Europe junior en 2011. J'ai gagné plusieurs grands tournois internationaux. Lors d'un stage à l'étranger, pendant un match d'entraînement, sur une prise de jambe sur jambe, mon genou s'est vrillé sur lui-même et s'est luxé. On m'a annoncé que je suis obligée de me faire opérer car c'était une rupture complète. J'ai fait le maximum que j'ai pu pour revenir le plus vite possible et j'ai toujours cru que j'allais pouvoir faire les dernières phases de qualification. J'y croyais vraiment. Pendant 8 mois, l'évolution n'était pas très importante. Je suis devenue très sensible. Très concentrée sur la rééducation, sur les entraînements qui étaient adaptés par rapport à ma blessure. J'allais vraiment à fond, à fond, à fond. Et vers la fin, je voyais vraiment que je ne serais jamais prête pour les qualifications. Je sentais que je débordais d'énergie. J'étais pas vraiment triste, mais je trouve que j'étais toujours un peu dans l'extrême, soit très contente, soit pas contente quand il y a quelque chose qui ne marchait pas dans mes projets. Pendant tout ce temps-là, j'y ai cru. C'était une période assez difficile et surtout je pense pour Sofiane parce qu'il a dû subir mes sauts d'humeur et surtout c'était la personne qui m'a toujours soutenue et là il devait me soutenir encore plus. Je sais pas si j'aurais réussi sans lui. Aujourd'hui, j'ai fait le deuil, j'ai tourné la page et je commence un nouveau chapitre. J'ai envie de gagner. Je vais gagner.